les amis, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que tout le monde va bien. Alors voilà, on est en petite balade aujourd'hui. Bon, c'est sûr que le temps il est pas au top des tops, hein, comme d'habitude. Ça ne change pas. Donc, voilà. Hein, vous voyez. Hein, vous voyez exactement là où je suis. Eh ben, je suis au Mont-Noir. Je suis venu faire une petite balade. J'avais envie de bouger un petit peu. Parce que franchement, ça manquait un petit peu. Donc, je voulais venir faire un petit tour. J'avais envie de bouger, j'en pouvais plus. Donc je me suis dit, allez, on y va, on va aller faire une petite balade. On va aller promener. Alors, franchement, ça pète. Là, avec les lumières du haut, plus le contact. Je vais mettre le contact pour avoir la lumière du bas. Et je vais mettre le plein phare. C'est pas ça. Alors il est ici. Alors, je sais pas si on va bien voir. Je suis en bas qu'on s'est pas allumé ces conneries en haut, c'est dommage. Hein. Voilà, franchement, là ça pète. Magnifique. Là, on voit très bien. J'arrête de vous faire voir tout à l'heure un endroit qui fait un petit peu plus noir. Mettre un peu mon téléphone en charge et vide. Donc voilà les amis, on est au Mont Noir. J'avais trop envie de bouger, j'en peux plus de ce temps. On est en hiver mais c'est catastrophique. Si au moins il y avait un petit peu de soleil, encore à la rigueur, on se dirait ma foi. Et non, mais non. Il n'y a pas de soleil. Il fait moche, tout le temps moche, 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 moche. Toujours moche. Alors vous avez un parking là, alors vous avez un panorama ici. Franchement, rien à dire. Top des tops. Je vous le dis franchement, il y a tout ce qu'il faut, vraiment une vue formidable. Et si vous faites le tour et en même temps vous n'êtes pas loin de tourner, tu vas venir faire un petit tour ici. Quand il fait beau, quoi. Parce que c'est vrai que là, bon là. Vu le temps qui est bien dégueulasse comme d'habitude, hein, ça change pas. Puis au moins ça vous fait une petite balade. La joie, ils ont refait le parking, c'est quand même plus propre. C'est quand même plus agréable. Donc voilà, ouais, c'est quand même bien plus agréable qu'avant. Et puis après, vous avez un petit parc pour les enfants avec une descente en luge et tout. Et après, là derrière, vous avez une balade en forêt. Franchement, c'est bien sympathique. Et en moto, c'est encore plus agréable de venir ici. C'est vrai que quand il fait beau, il y a pas mal de petits motards aussi qui viennent. Mais ouais, si vous vous embêtez, bah, venir faire un petit tour ici au Mont-Saint-Aubert. Là, l'entrée, elle est là et vous avez le parc qui est juste derrière. Donc franchement, c'est bien sympathique. C'est bien sympathique. Ah, franchement, ça vaut le coup. Quand il fait beau, franchement, ça vaut le coup de venir ici. Il y a plus, il y a des restaurants, il y a tout ce qu'il faut. C'est sympa. Il y a de quoi faire une belle petite balade. Bien agréable. Donc voilà. Donc ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait une petite vidéo embarquée. J'avais envie de vous faire partager un peu ce petit moment. Bon, c'est vrai que le ciel n'y est pas là, c'est pas très agréable non plus. Hein. Franchement, faut pas se le cacher, c'est quand même plus joli quand on a un beau paysage ou quoi. Mais bon, il n'y a pas. Hein. On peut pas l'inventer, hein, comme on dit. Donc là, tourner. Après, voilà, derrière, je connais pas trop. J'ai jamais trop été, mais un de ces quatre, j'irai faire un tour quand il fera beau. Une petite balade par là. Après vous avez aussi le mont noir, ou non, le mont de l'Enclus. Ouais, il y a le mont de l'Enclus, je crois. Il y a pas mal de restaurants aussi là-haut. Et après je crois qu'il y a le mont noir, mais le mont noir, ouais, c'est complètement de l'autre côté, c'est en France, c'est pas du tout pareil. Donc ouais, c'est pas la même chose.
priorité à droite. Franchement, ça c'est un peu chiant. Enfin, mais cette moto, franchement, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Franchement, il n'y a rien à redire. C'est terrible. Top des tops. Normalement, je devrais bientôt recevoir ce que je vous avais parlé. J'ai eu le temps de le monter. J'espère qu'avant fin d'année, j'aurai eu le temps de le poser sur la moto. J'espère. C'est vraiment top des top cette moto. C'est vrai qu'il n'y a rien à redire. Après, ouais, c'est sûr que c'est qu'à 900, quoi, c'est pas non plus, mais bon. Quatrième. Ben, ça consomme quand même, hein, 260 km, grand max, hein. Franchement, grand max, hein. Pas plus, hein, voilà, mais bon, c'est vrai qu'on a toujours cette tendance à accélérer aussi, donc bon. Ça n'arrange pas les choses. Ça n'arrange pas les choses. J'espère que vous allez tous passer de bonnes fêtes, surtout, hein, que tout le monde profite, tout le monde s'amuse. On est enfin en vacances, il est temps. Putain, je l'attendais. Putain, le mec, il lui faut toute la route. Incroyable. Punaise, c'est phénoménal ça quand même. On est même pas, même avec tous les feux que j'ai sur la moto, et ben c'est même pas encore assez. Punaise, phénoménal. C'est grave quand même. Toujours obligé de faire attention à tout, tout le temps. Putain. Si on serre pas, c'est mort. Ils nous embarqueraient en moins de deux. Priorité. Merde, tu peux pas parler. Et en fait, t'es de l'autre côté. À des moments, on se trompe un petit peu.
m'étais pas mis dans la bonne direction, mais bon, après on allait quand même à tourner, ça change rien. J'espère que tout le monde profite quand même. J'espère qu'il y en a quand même pas mal qui vont être en vacances, qui vont pouvoir profiter un petit peu. Et après, il y a des secteurs, je suppose que on profite plus que d'autres, hein. Parce que nous, franchement, dans ce nord, on profite vraiment pas du beau temps. C'est une catastrophe. Catastrophe ambulante. Je vais essayer d'aller dans le centre-ville pour vous faire voir un peu le centre de tournée. Alors, est-ce que je vais réussir à aller au centre-ville? Il n'y a rien d'extravagant, mais bon, pour l'été, c'est beaucoup des terrasses, des cafés, tout ça. On prend en magasin, il n'y a pas grand-chose. Franchement, on va pas se le cacher. Les salons de coiffure ici ils ont poussé, hein. Vous avez un petit truc là piétonne, mais franchement c'est pas la fête quoi. C'est pas la fête, hein. Quelques magasins, mais bon. C'est pas non plus. Hein. Alors là, les pavés, il faut aimer. Hein. Il faut aimer les pavés.
on peut pas y aller. Dommage. C'est con. Dommage, dommage. Bon bah voilà. Je pourrais pas vous faire voir. Il faut aimer cette punaise de roue. Oh la vache. Oh, c'est une catastrophe. Hein. Elle est déglinguée. Oh. Punaise. De Dieu. Catastrophique. Catastrophique. Donc voilà, bah, je pourrais pas vous faire voir tourner. Dommage, je suis déçu. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, les amis. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Votre jambe, elle est toujours, en fait, dans ce bloc. Alors, les ceux qui mettent les crash bars jusqu'en bas, déjà, là, je le sens, mais alors avec la barre de crash bar dessus, ça doit être horrible. Ça doit être horrible. Qu'en été, qu'on peut vraiment en profiter. Hein. Hors été, c'est vraiment pas le top des tops. Hein. Bien fait une doublette, mais bon. Alors, faut que j'ouvre mes aérations. J'ai plein de buées dans cette visière à la con. Ça, j'ai mis ma caméra devant, ça arrange pas la chose. Ça n'arrange pas les choses. Alors, si vous avez vraiment un bon produit, les amis, là, pour mettre dans la visière, pour que ça évite la buée, putain, envoyez-moi le. S'il vous plaît, envoyez-moi le produit que vous utilisez pour mettre dans la visière. Ah, moi, j'ai pas le quad lock sur celui-là. Sur l'ancien, je l'avais, j'aurais dû le récupérer. Et maintenant, plus moyen d'avoir la visière. Il n'y a plus de disponibilité. J'ai été me renseigner chez Motoblues, tout ça. Il n'y a pas de dispo à plusieurs concessions. Et ils n'en ont plus de dispo. Alors, je sais pas quand est-ce que ça va revenir. Mais bon, plus de 100 euros pour avoir une nouvelle visière blanche avec le quad lock dessus. Et donc, s'il y a quelqu'un qui utilise des produits qui mettent dans la visière, j'ai essayé le... Ah, je ne sais plus comment ça s'appelle, cette marque-là, la marque des motos, Opal, je crois. Si je ne me trompe pas, dites-moi dans les commentaires. Je l'ai utilisé pour anti-buer, mais franchement, c'est pas le top des tops. Hein. Vraiment pas le top du top. Hein. Quand j'ai commandé sur Amazon aussi, pareil, des trucs pour le moto, j'ai pas l'impression que ça fait le taf, quoi. À chaque fois que je le ferme, à chaque fois c'est pareil. Respire 2-3 fois et paf.
Ah, ici vous avez le centre commercial Carrefour. Donc c'est pas trop mal. Vous avez quelques trucs à l'intérieur. Pas trop mal du tout. Et après au bout c'est pareil, vous avez d'autres magasins. Il y a plusieurs trucs. Bon. Construisent encore, mais ils s'arrêteront jamais. Ils ne s'arrêteront jamais. Donc voilà, les amis, la petite zone. Oui, quelques petits trucs, quoi. Franchement, à venir voir si ça vous intéresse ou pas du tout. Mais bon. Bon ben voilà les amis, on est arrivé ici, la vidéo se termine, je vous laisse. Bon, par contre il va falloir que je fasse le truc après contact là, parce que c'est un peu chiant. Bon après ça va, j'ai la lumière, mais bon. Donc les amis, la police qui est là. J'ai chance qu'ils m'ont pas vu passer mon truc. Bon ben voilà les amis, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas de laisser des commentaires, de répondre surtout à ce que je vous ai demandé. Surtout, pour la visière.
parce que de ce côté-là, c'est très important pour trouver une solution à ce problème. Parce que là, franchement, j'en ai pas du tout et ça commence un peu à m'énerver. Donc si vous avez une solution, donnez-la moi, ça me fera super plaisir. Sur ce, je vous laisse les amis, et puis écoutez, à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, mettre un pouce, ça me fera plaisir, surtout. Hein. Et puis je vous dis à la prochaine. Voilà. Et puis si on ne se voit plus jusqu'à là, ben, passez de bonnes fêtes. Et je viendrai vous souhaiter mes voeux. Donc voilà, voilà les amis. Allez, je vous laisse. Allez, salut, salut. À plus tard.